Principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit les systèmes qui sont réellement dans les avions, faire en sorte que les radios se comportent de la même manière, puis c'est de recréer ces machines-là dans l'environnement de la simulation. Évidemment, on essaie de rester à l'affût des nouvelles technologies puis de développer du matériel qui est de plus en plus performant, de plus en plus efficace, puis qui satisfait aussi le client qui a des demandes qui évoluent elles aussi. On a besoin de créativité puis d'innovation pour arriver à fournir un produit qui est efficace, un produit qui est robuste. Donc, CAE, c'est un super endroit où travailler, en fait, parce qu'il y a tellement de travail, il y a tellement de choses à faire. Il y a plusieurs possibilités de carrière aussi. Des nouveaux espaces, des open space, justement, qui sont beaucoup plus adaptés à la manière dont on se déplace, on travaille. Comme on travaille sur beaucoup de projets ou avec plein de personnes différentes, on a justement cette mobilité-là. Une fois que le code est fini, c'est sûr qu'il faut aller l'installer puis il faut aller l'intégrer chez le client. Alors, c'est à ce moment-là qu'on est appelé à voyager à Amsterdam, Dubaï, Singapour, partout où CAE travaille puis il y a des clients. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'installe avec les gens de ce pays-là, avec les gens de ce programme-là, qu'on s'installe avec le pilote dans son pays, dans sa machine, puis tu t'assures que ça fonctionne comme ça devrait l'être.